commencement, était la parole, et la parole, Christ. Radio, parole, vie. La radio qui donne la vie à travers la parole. Mot shalom, chers auditeurs de la radio Parole Vie, la RPV. Mes beaux amis partout à travers le monde entier, vous qui aimez votre radio Parole Vie et votre émission Parole Vie, une émission à caractère évangélique, animée souvent par votre humble frère, le frère Herbie, héritier Bissiamou, et mon atatananga Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi. Soyez bénis, chers auditeurs de la radio Parole Vie. On a attention à vos opérations, mais confiance. Autant que nous sommes, nous sommes tous les gens qui sont tous les gens. Si nous avons un peu de paix, Nazareth, maître du ciel et de la terre, nous avons un peu de croix, paix à l'Oba, Père, tout est accompli. Nous avons un peu de paix. Je l'ai toujours dit, chers auditeurs de la radio Parole Vie, je suis le prédicateur de la bonne nouvelle. Nous avons un peu de paix à Nazareth, nous avons un peu de paix. Bienvenue dans le Seigneur. Nous avons atteint une radio Parole Vie et un objectif moko. Il y a côté à Sangomalamu, il y a Yesu Masi à Nazareth. Parole Vie et un mot où ils ont composé. Tout le monde a parole, puis tout le monde a vie. Bien aimé. Tant tout le monde a parole, tout le monde a Nzambe. Parce que la parole c'est une personne. La parole c'est Dieu. Il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1er, dans le premier verset, au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Bien-aimé, quand on parle de la parole, on voit Dieu. Parce que le monde que nous voyons a été créé par la parole. Dieu avait dit que la lumière soit et la lumière fut. Que la terre produise des arbres, pe banzete pe matiti et botaki. Nzamba lobaki lisusu que mai et produire. Nzamba lobaki lisusu que mai et produire bambisi pe salamaki. Lobanaye ezala makoki ya kojalisa o etikala kojalate. Lobanaye sumasi a Nazareth ezala makoki ya kobenga o etikala koyate. Parce que c'est lui seul qui appelle de l'Orient un oiseau des proies et d'une terre lointaine un homme pour accomplir ses desseins. Alléluia. Prions le Seigneur que le topé sur merci. Nalibakou malamo pesibiso na bandeko partout à travers le monde entier. Mais bon, ça m'a dit sur WhatsApp. Na RK Pro TV. Na Delef TV 2. Na Chiffre 9 TV. Partout à travers le monde entier, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions, Père éternel, parce que l'iloba oye je sika na mité ma batu. Pour ma te koumama na pas na bangote à tout tina ki mbongote, ma fouta te mungote singa te pe maite, tina ki l'iloba. Et nous osons croire, Seigneur, et l'iloba e kangoula ki na passé, yangwana ka ezo kangoula na présent, tout comme na futur. Pour te sanctifier, mon maho, pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié et déclaré. Amen. Merci papa, merci maman. Je l'ai toujours dit, je suis le prédicateur de la bonne nouvelle. La terre a kaba si peu mi bala kondima. Moi si peu mou bala kondima zanan. Azamoute, azon dimate posi a moni. Azamoute, azon dimate posi a expérimenté. Mais quand il y a un oyo anemi attaque on a monité azui attaque on a simbité parce que la foi c'est toucher sans voir. Yes bien aimé objectif est monsieur Ezali ya ko communiquer bon moi até pa yua pi ku fezo tangama. C'est ça l'objectif de cette émission, ya ko alimenter condiment parce que c'est la parole qui alimente la foi, c'est la parole de Dieu, la parole authentique, la parole vie. La parole qui une parole qui communique la vie, bien-aimé. Kobete maboko kobenga na ba demosa malam. Eza mabete. Parce que la Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Oui. Bien-aimé. Mais koyoka liloba, ko simbango pe ko tchango na misala, c'est plus que kobete maboko kobenga na ba demo. Rien que la parole, rien que la déclaration,
Yaya, des mots Okima. Pourquoi? Parce que la déclaration est une vie. Bien-aimé, la parole est plus forte que la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, Nanga qui donne ensemble, te partager Nabino, un thème ce matin. Ce qui est sur Christ en Nazareth, c'est une réalité. Donc, il peut continuer au lobby. Bien-aimé dans le Seigneur, donc la lobby m'est crédit par la grâce de Dieu. Le chita qui n'a moussé en Zambé, le frère David, David de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, et on le lot par la grâce de Dieu. Nous le béla, le sommeil et ses conséquences. Bien-aimé, Pongi, pe bambano na yango. Kolala, pe bambano na yango. Bien-aimé dans le Seigneur, d'ailleurs, généralement, Pongi, Eza besoin, na bomo a moutunyons. Pourquoi, to lalak, moutou a travaillé 8 heures, topé 7 heures et demie, à 8h30 minutes, une demi-heure, il y a pause. Et ça, le 8 heures, à ozapé, batam soua ou salam a kamsous, à ozapé 8 heures, il y a kolala. Pour le lavage du cerveau, pour avoir une nouvelle énergie, pour permettre le lobby à Sala Soumoussala. C'est ça, le rôle du sommeil. Pour avoir besoin de moutounios, pour le lavage du cerveau, pour avoir besoin de moutounios, pour avoir besoin de moutounios. Pourquoi? Parce que le cerveau est ce qu'on a. C'est ça, bien-aimé. Mais le sommeil dont nous parlons ce matin, pour que tu sois bien dans ton lelo, et ça pour que tu sois là, pour que tu sois là, pour que tu sois lavage de cerveau, mais et ça pour que tu sois là, il y a une distraction qui dit. Le sommeil, c'est quoi? Sommeil est un état d'inconscience. Bien-aimé dans le Seigneur, Mouto aza na vie ko lala se kaza inconscient. Tango député lala yeba te kaza député. Tango pasteur lala yeba te kaza pasteur. Tango gouverneur lala yeba te kaza gouverneur. Ko lala, en d'autres termes, la kisi liwa. Tepe koufa. Eza tan o moutami yeba kate. Exactement, oh bien-aimé dans le Seigneur. Oh batubami bossa na ka obazali. Mobola iba te kaza mobola, riche iba te kaza riche. Mon Christ iba te kaza mon Christ. Païen iba te kaza païen. C'est ça le sommeil. Bien-aimé, Pongi, na zobeta sete koloba que ezali état ya inconscience. Pour nous, tout le monde a une distraction. Ils ont vie à péché. Bien aimé, ils ont vie à sentiment inutile. C'est ça le sommeil. Mais j'aimerais que nous puissions lire une portion de l'écriture avec vous, bien aimé dans le Seigneur. Vous qui nous suivez partout à travers le monde entier. Nous lisons rapidement le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 14. Merci, bien aimé dans le Seigneur. Nous autant rapidement livre à Éphésiens chapitre 5 verset 14. Écoutez ce que nous dit la Bible. Écoutez ceci. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Elobami boy. Lamuka. Yo ozolala, bien aimé, on peut te réveiller celui qui dort. Bakoki jamais que l'âme samutu azo tambula. Bakoki jamais que l'âme samutu azo lia. Mais ba l'âme samutu lali. Bien aimé, pendant que olala, il y a des conséquences. Ozo zelo na sia pongi, il y a distraction. Mitumbe zali mozolala. Mikakatoneza mozolala. Makambezo simbate mozolala. Bien-aimé, il y a des conséquences à Pongi et Zalaka.
Oh, pona obima na ba conséquences ya pongi. Et sengeli nécessairement o lamuka. Obima na kata pongi. Pongi ya péché, pongi ya humiliation, pongi ya soni. Ya pas si kole la. Ici la Bible dit, réveille-toi toi qui dors. Relève-toi. Telema mon frère. Telema ato kuyaki, okotika la tena pongi. Yesu masa Nazareth ana posa angengisa yo, mais il ne peut jamais t'éclairer. Yako lala. Ako éclairer aussi seulement si obimi na pongi, bien-aimé. Ozolote bandoto malamu te, mitumba, kolanda, bandoto aliwa, mais yaya, oza conscience te. Nazo teo mon frère, ma soeur, neti no mona yo. De cause de la radio parole vie. Te peine à réseaux sociaux. Moussous. Na YouTube. Bien-aimé dans le Seigneur. Lamuka. Olali. Olotindo to malamute. Olamuki. Oke mamo bimi oke moussala. Oke kop. Oke kayou. Yaya. Oke moussala za mabete. Menzamba lo banabalo lenge belé. La Bible dit Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Yaya. Bien aimé, jusqu'à quand on demeurait la vie à Pongi? Il est temps de nous réveiller. Il est temps, chers bien aimés, chers auditeurs de la radio Parole Vie. Yako manakati à Pongi. Pongi te le baisa est inconscience. Et ça est au mouton comme il est batté. Bien aimé dans le Seigneur, te zoloba sur le sommeil et ses conséquences. Nous lisons des portions de l'écriture. Livre à Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 20. Nabonde le Pessangamatoï, bien aimé dans le Seigneur. Tobandina, verset 8. Écoutez ceci. Il y avait beaucoup de lampes dans nos chambres hautes où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant les longs discours de Paul. Bien-aimé, awa, ba minde zaki ko pela, moli les ala kite. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute, la chambre likolo, lieu secret, lieu à restauration, lieu paywa pitobele la kaye sous Masia, ya Nazareth. La chambre haute est un lieu à solution. Mais ah ouais, il y avait un jeune homme. Jeune frère, jeune soeur, papa, maman. Kombone Eutychus. N'est pas à côté de Kati. Azala assis. Bien aimé. Mais c'est pas la fin de la fenêtre. Combien de personnes aujourd'hui. Azo Sambela. Mais Anakati église à tellement la fenêtre. À fin de la fenêtre. Pour yoka makama libanda. Ayoka pena Kati. Le Coromon Libanda, le Coromon Nakati. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui à ce Sambela, mais quand il y a un problème, à quelque consulter Nganga. Et là, que bougina famille. Il y a ce besoin de pratique à l'olenge boye. Et ça, il y a besoin de fongo la pendant qu'on peut accès à Satan à opérer. Combien de fois, et là, que bougina famille, toi qui es total ça. Bien aimé, combien de fois, mon frère, ma soeur, Ozawana, au Sambelaka, mais quand il y a un problème, au que le prophète mon songolo, au attendu la peine d'Nzambete, pour ça y a biso makambu, bat nous c'était pas mona makambaba Nzambé, bat nous c'était pas mona makambaba sel Nzambé dans la Bible. Bien aimé dans le Seigneur, il y avait aussi des gens dans Actes des Apôtres chapitre 16. Bien aimé dans le Seigneur, dans mona une femme qui avait un esprit de python, aneko bikula. Bien aimé, diable n'est pas monaka. Ba faux prophète ba monaka. Mais osa na so ba yebisho likamba vino bangi. Ah, openaza a nzambe, a yebisinga makamba vina nga. Qui te dit que mouno so peso li sakoli, aze a nzambe. Nalobi te ke ba prophète nyoso, baba sala satana. Nalobi te ke ba dous ba monaka, makam. Bien aimé, ma Dieu va passer la prophétie basée à Satan. Non, mais la Bible a dit nous devons examiner toute prophétie. C'est ça. Yo le kolo zana pongi, so ba yebi soka likambutel o tchena mutema. Le diable est en train de se déguiser en ange de lumière, mais en ange à ténèbres.
ma personne ma professeur belé changer vino nanine. Le problème est que lukande solution ko lukate ba yebiso makamba vina yo lukande solution ma problème aux anango. Or la solution c'est Dieu, la solution c'est Jésus-Christ de Nazareth, la solution est dans la prière et dans la crainte de Dieu. Voilà la solution. Ataba yebiso pour ma vina yo, ataba yebiso mutabundi sa vina yo. Yo kati so ba yebiso ndebi tumbe sili. Mais non, tout ça c'est le sommeil. Ndeko yo afandi na fenêtre le kolomo na kati le kolomo libanda. Combien de personnes assemblées assemblées nzambe na pesi bi ya noté à lembi à kene église mosus. Oh Yesu azo tombe matin qualité en nzambe ya solo pe ya bomoy. Bien-aimé, là ozana pongi. Yeba ozbika ba conséquence ya pongi ozolala. Okobika ba conséquence ya pongi ozolala. Chers auditeurs de la radio Parole Vie, chers bien-aimés, il est temps de te réveiller. Yesu masana Nazareth azana posa ngengi sa vie na yo. Mozo pese espaste. Ozo pese espaste ko éclairer vie na yo. Ozo pese espaste. Il a besoin de t'éclairer. Ozo pese espaste. Merci chers auditeurs de la radio Parole Vie. Merci bien-aimés de le Seigneur. On attend chez vous au Père Sabiso. Merci, mais vous partagez avec l'émission pour Radio Parole Vie. Collé sous ma chaîne Nazareth, Asanongo Lupé Boulam. Bien-aimés, ceux qui Christ à maison égalité, le but est de continuer avec ces mêmes thèmes, les sommeils et ses conséquences. Je dis un grand merci à mon frère Nice Kangé Bogos Anderson. Wanana Régie, je vois mon frère bien-aimé, Chris Kundenga 2G, frère Gersa Pemba. Merci, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci vous qui voulez nous contacter. Nous connaissons l'un des bisous temps où nous sommes dans la Liboso. Nous nous contacter bisous dans Radio Parole Vie. Et ça, c'est dans WhatsApp, dans YouTube, Yaya, puis dans ma réseau social, nous sommes. Il me reste à aller plus de 143 89 75 70 917. Merci, que Dieu vous bénisse. Au commencement, était la parole, Christ, radio, parole, vie, la radio qui donne la vie à travers la parole.